La deuxième étape du Dauphiné libéré 1986, le départ a été donné à Belleville, dans le Rhône, direction Guignon en Saône-et-Loire, 186 km avec un début d'étape tout plat. Vous voyez que les conditions climatiques sont très agréables, même si le temps est couvert, il fait chaud. Et comme d'habitude, il y a des sprinteux moins chauds. Et Duclos Lassalle va en profiter pour prendre des bonifications, parce qu'il espère résister à un final plus difficile en Saône-et-Loire, avec notamment une montée, la Côte du Chon. Mais avant, un homme va animer la course à l'avant de la course. Il s'agit de Pascal Poisson. Derrière, au sein du peloton, c'est l'équipe Lavie-Claire et Casse qui roule. Derrière donc cet échappé qui a une belle avance, mais malheureusement pour lui, on va bientôt arriver dans les reliefs. Et voici donc Pascal Poisson de la formation U qui est donc à l'avant de la course. Mais malheureusement pour lui, comme je vous ai dit, il va être repris dans le final accidenté. Il y a quelques petites bosses avant d'attaquer donc la montée de la Côte du Chon, 9 km à 4,4%. Et dans cette montée, eh bien 16 coureurs vont se dégager du peloton. Cadenia va passer en tête devant Zoetemelk, tandis que Duclos Lassalle, le maillot jaune, a été distancé. On voit dans ce groupe de 16 coureurs, Zoetemelk, Fignon, Guyot, Rodriguez, Pincec, Zimmermann, Claverola, Breu, Bernard, Leclerc, que vous avez vu avec son maillot de champion de France, Caritou, Bagot, Palacio ou encore donc Bérard. On a donc ce groupe de 16 qui donc s'est échappé grâce à cette difficulté de la descente. Eh bien, on va voir que Fignon, avec son maillot blanc, va amener un gros rythme. Zoetemelk, on le repère avec ses cheveux, enfin, le peu de cheveux qui lui reste, vu qu'il a quand même une quarantaine d'années. Et on va arriver bientôt à Guignon pour un sprint à 16. Un sprint disputé sur le boulevard de la Liberté et un sprint remporté par Laurent Fignon devant Caritou et Yop Zoetemelk. Et au classement général, ben grâce à la victoire et aux bonifications, Laurent Fignon, deuxième du prologue à Annecy, prend donc le maillot jaune. Voici donc le top 9 de cette étape entre Belleville et Guignon.